I will be plus précisément dans le Washington. I will be Mama Marthe née. Mama Marthe née. I will be shop Africa Union. Mais toi, t'es un gnosso. Il y a un Congolais. On est un Congolais. On a 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 un Bio Africa Union. Et toi, t'es un Congolais. Sinon, vous ne voyez pas, il y a un Congolais. Pour pas tout comprendre, mawa. Bah congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pour la Coriana, puis nous voyons. Bah quoi les radis? Coriana, appétit. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narcix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narcix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capable de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de suivre face à face, un autre numéro, un nouveau numéro d'ailleurs. Nous allons avec mon invité faire le tour de propos de Kagame, notre position, je vais dire la RDC, quel est le rôle que nous allons jouer en ce moment au Conseil, pourquoi pas de parler du Conseil de sécurité, mais aussi la problématique à l'Est, la responsabilité du gouvernement. On en parle avec le professeur Voto. Comment allez-vous, Provoton? Ça va très bien, Christian Besson. En tenue militaire, état de siège. Ouais, je soutiens ainsi nos vaillants militaires qui sont engagés dans l'opération de pacification de la partie est du Congo depuis l'état de siège. Je voudrais ainsi les accompagner, exprimer mon adhésion à cette démarche. Mais pourquoi on a l'impression que les morts commencent maintenant à se compter? Oui, mais justement, c'est 51 personnes qui ont trouvé la mort. Mais justement, je prends une image. Lorsque vous capturez un poisson dans l'eau, même s'il est à la maison, il s'agite. Je crois que ce sont des agitations par rapport à cette offensive militaire. Et la stratégie, elle est bonne pour eux parce que c'est pour dire à la population que vous êtes tués autant, mais même plus qu'avant. Et qu'il n'y a aucune confiance à passer dans cette armée. Ouais. Mais je crois que chaque jour, ils sont en train de perdre du terrain, vous vous souvenez. Autant qu'ils sont en train maintenant de s'attaquer sauvagement à la population, c'est dommage, mais autant ils sont en train de perdre du terrain, ils sont en train de perdre de sources d'approvisionnement, et je crois que c'est une question de temps. Alors, si c'est une question de temps, il faudrait combien de morts pour qu'on arrête? Non, malheureusement, on ne peut pas compter le nombre de morts, même s'il n'y en avait qu'un seul mort, c'est malheureux. Mais c'est une guerre. Nous sommes morts depuis tout ce temps, depuis un quart de siècle, il y a 6 millions de morts. Mais je crois que maintenant, on ne peut pas se décourager. Je crois qu'il vaut mieux donner le maximum maintenant. Moi, je crois à cette démarche de l'état de siège. J'ai dit ici que c'était une bonne décision et qu'il n'y a pas de raison de se décourager, contrairement aux gens qui commencent maintenant à douter ou à se décourager. Il n'y a pas d'alternative, je dis. Il n'y a pas d'option. La seule option, c'est de faire cette guerre et de la terminer. Et donc, il y a des failles, certes, il y aura des failles. C'est une œuvre humaine. Nous avons eu beaucoup de lacunes d'ailleurs dans notre... C'est pourquoi la guerre a duré. Et que maintenant, je crois qu'il faut soutenir nos militaires,
Il y a cette affaire de Niragong, ok, venu mettre une parenthèse dans ça, mais ça ne devrait pas nous distraire. J'ai tweeté il y a quelques jours, j'ai dit que la catastrophe humanitaire à Goma ne doit pas nous faire oublier la catastrophe sécuritaire. Et donc, ça reste une priorité et on doit travailler dans ce sens-là. Et le terrain de Goma ou de l'Est reste un spectacle, je veux dire un terrain de tous les spectacles, de toutes les monstruosités. Mais alors, à la limite, on va se dire, mais c'est une réponse de la nature. Parce que c'est le volcan qui, finalement, s'énerve, mais alors sans aucune pitié. Et vous avez la catastrophe sécuritaire, alimentaire. Mais alors, on se dit, mais est-ce que le mal ne siège-t-il pas, finalement, à l'Est de la République? Non, je crois qu'il faut faire la part des choses. C'est vrai que la responsabilité humaine, elle est là, la responsabilité du gouvernement, parce que le premier responsable, c'est le gouvernement congolais, quel que soit le régime, c'est le gouvernement congolais. Et moi, je suis de ceux qui pensent que la catastrophe de Goma, c'est une catastrophe qui aurait dû être évitée. Qu'est-ce qui devrait être évité? Les volcans? Ouais. Comment ça, les volcans évités? Ça, vous savez, aujourd'hui, c'est le procès contre les volcans. Si jamais le volcan avait un avocat, il vous aurait dit, j'étais chez moi, j'étais dans mon territoire. Ben, c'est vous qui êtes venu. C'est vous qui êtes venu. Voilà. Et donc, si je crois que c'est la question de Goma, c'est une question de planification. Si vous prenez le début, d'abord, après l'indépendance, Goma n'était pas une ville planifiée par les Belges. C'était Rutshuru, c'était Ayaba. La ville, c'était la grande ville de la province, c'était Bukavu, qui était très loin du volcan. Et donc, ce site-là, c'était un site touristique. Et jusqu'avant les années 70, les hôtels à Goma, c'était des maisons à bois. C'était des bungalows, parce que c'était des maisons éphémères. Et ceux qui ont planifié cet espace-là savaient que c'était des sites qui pouvaient être rasés à tout moment. Ils ont une expérience. Bon, avant 1941, on ne sait pas si le volcan était en éruption, mais au moins, l'éruption qui a été documentée, c'est 1941. Et puis 1977. Et malheureusement, à partir de 1977, les gens ont commencé à construire en dur. Et ils ont envahi l'espace où c'est censé, scientifiquement, où l'arbre va brûler. Ce qu'on dit, l'espace d'expression du volcan. Et voilà. Les gens construisent là-bas. Pas tout à l'heure, on construit pas dans cet espace-là. Mais même en dehors du volcan, il y a les gaz méthane aussi. C'est-à-dire, il y a des blancs, des scientifiques, qui se disent, mais c'est scientifiquement impossible, intenable de construire là-bas, si vous ne respectez pas la norme. Mais c'est ça. Il y a même... C'était réservé pour les portiers, ceux qui vivaient dans le port, pour les transferts de minéraux vers Bukavu. Mais ce n'était pas vraiment une ville. Donc, le gouvernement n'a pas planifié, le gouvernement de l'époque n'a pas conscientisé les Congolais pour dire qu'on ne peut pas lotir cet espace-là, on ne peut pas habiter là-bas définitivement. Ça doit être un lieu où les gens viennent pour aller visiter le volcan, ou peut-être voir l'éruption, comme voilà, dans d'autres pays où les gens peuvent voir ça de loin. De loin. Donc, et aujourd'hui, on m'a dit que ça commence à s'apaiser. Et demain, les gens vont commencer à reconstruire. Malheureusement. Et ils vont oublier que dans 20-25 ans, ça sera le même scénario. Parce qu'au moins, on a le même cycle. Voilà. C'est dans 20-25 ans. C'est le même scénario. Alors que le volcan Nyamulagira, lui, entre pratiquement dans ses petites éruptions tous les deux ans. Mais alors, je me dis, mais voilà, donc personne ne peut gérer ces volcans. Et donc, dans 25 ans, dans 30 ans, on aura encore une éruption volcanique. Et on va encore se plaindre. Je vis de prières contre les volcans. On attaque le volcan. Non, mais qu'est-ce que le volcan a à voir? Délocaliser la ville, oui. On a de l'espace dans ces pays. Et nous, dans le palais de méthane, il y a un professeur de la faculté de pharmacie, je crois, de l'UNIKIN, qui a écrit un article que j'ai lu, qui soutient la thèse qu'au fait, la thèse de poison dans la région, où les gens sont tout le temps empoisonnés, il explique qu'au fait, ce n'est pas aussi le poison qu'on les pense. C'est l'environnement. C'est le gaz métal. Il est toxique. L'environnement est toxique et les gens tombent malades comme ça. Et on attribue ça au poison. Ça, c'est encore c'est discutable, mais je crois que ça tient la route. Et parce que ici, pour soutenir un peu son idée, ici à Kinshasa, il y a une dame qui a fait des examens parce qu'elle avait des toux à tout moment. Et quand elle va à l'hôpital, le médecin lui dit, mais écoute, ton problème, c'est l'environnement qui est pollué. Alors elle dit, mais pourquoi tout le monde? Il dit, on n'a pas le même organisme. Nous ne tenons pas la même chose. Quoi. Donc cet environnement-là n'est pas propice pour y vivre. Donc il y a des gens qui tombent malades comme ça, et nous pensons que c'est du poison. Pourtant, c'est l'environnement. L'espace qui est toxique. Donc, mon point de vue, c'est que, on a commis l'erreur de lotir cet espace-là. C'est autant à Kinshasa.
Tout le jour, nous crions à Kinshasa, érosion et tout ça. Mais le Mongafu là, en fait, le Mongafu là, c'est pas une montagne, c'est un mont de sable. Et on a loti ça. Et vous, après, vous êtes étonné qu'il y a des ébullitions, qu'il y a des érosions. Ou alors, est-ce que le problème c'est celui-là, ou le problème c'est d'adapter vos constructions à la nature de la terre? Par exemple, du côté du volcan, on a dit qu'il fallait construire respecter les normes sismiques, construire pour résister aux tremblements de terre, par exemple, comme au Japon, où si la magnitude est de 5, bon, on construit par exemple pour supporter jusqu'à 6 ou jusqu'à 7, les immeubles peuvent bouger, mais ne peuvent pas s'écrouler. Mais quant au volcan, alors là, il n'y a pas de remède. Mais pas dans la sphère du volcan. Par exemple, oui. Mais ça, c'est connu, c'est depuis des années qu'on sait que le volcan entre en éruption, ça va jusqu'ici. Oui. Mais quitter là-bas. Quitter là-bas, c'est tout. Et donc, on va reconstruire encore. Il y a des gens qui ont commencé à reconstruire. Bien sûr. Déjà, quelqu'un m'a dit, professeur, que, bon, vous savez, les gens, on peut sauver les vies. Même si le gouvernement a atteint un niveau très important, on peut sauver les vies. Mais il y a des choses qu'on ne pourra pas sauver, c'est le coût du développement. Voilà. Les infrastructures que vous mettez en place. Vous, les hommes, vous allez fuir, mais les infrastructures, les maisons, les routes. Donc, vous allez reconstruire les routes chaque 20 ans, vous allez reconstruire des maisons chaque 15 ans. C'est vraiment vivre au risque. Oui. Vous savez qu'à tout moment, et ce qui nous est arrivé, c'est que l'éruption n'a pas été annoncée. Non, pas du tout. Il y a eu des différences au niveau du fonctionnement de l'OVG. Mm. Il n'y avait pas d'Internet, donc le travail n'est pas fait. Et puis tout le monde a été surpris. L'OVG qui se plaignait. Alors, ce qui m'a fait rire dans tout ça, l'OVG se plaint de ne pas avoir de méga, alors qu'à Kinshasa, on va donner les méga à l'université. Voilà. À Kitambo, on va donner. À un moment donné, on se dit, mais donc, la gestion de priorité aussi. C'est pourquoi je disais qu'il y a un problème de planification. Je crois que l'État doit prendre ses responsabilités, le ministère de Plan doit faire son travail. On ne doit pas vivre par hasard. De grands pays qui se sont développés, c'est par l'intelligence, c'est par la science. Et le ministère, dans un grand pays comme le nôtre, le ministère comme le ministère de la recherche scientifique devait être parmi les premiers à être budgétisé. Mmh. Et nous avons des ressources humaines, nous avons des jeunes qui sont intelligents, qui doivent être encadrés, qu'on doit envoyer. Nous avons des grandes structures comme l'INERA, nous avons des grands projets, nous avons les mines. Mais on n'investit pas dans ça. Mais pourquoi, professeur? Je me pose la question... Pourquoi, lorsqu'il s'agit des catastrophes naturelles, nous n'avons toujours pas de moyens? Est-ce que nous n'avons pas une caisse, je ne sais pas moi comment on appelle ça, un fonds de risque? Est-ce que nous n'avons pas cette capacité-là de dire, mais écoutez, on a un problème et l'État décaisse directement de l'argent? Au lieu de recourir à MPSA, donnez-moi, Vodacom, donnez-moi ceci. Est-ce que, comment ça se passe généralement dans ces choses-là? La vérité, c'est que nous sommes un pays pauvre. Les Congolais ne veulent pas qu'on leur dise ça. Nous sommes un pays pauvre. Vous avez vu, à peine que le nouveau gouvernement s'est mis en place, le nouveau régime s'est mis en place, ils ont vidé la réserve. Mais quand le gouvernement a touché à la réserve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le budget normal était épuisé. Nous sommes un pays pauvre. Mais le budget, c'est combien? En réalité, c'est moins de 4 milliards de dollars. Tout ce qu'on peut ramasser par-ci, par-là, ça fait moins de 4, même si on met 10 milliards de dollars sur papier. On n'a jamais atteint 5 milliards de dollars. C'est ça le grand problème. Mais pourquoi ce contraste? Comment vous faites pour ne pas avoir 5 millions de dollars, 5 milliards de dollars de réels, alors qu'il se perd tout le jour de l'argent par an? C'est 15 milliards. Voilà, c'est ça. Le professeur Luzolo l'a dit. Donc, c'est parce qu'on est mal organisé. Parce que l'État est mal organisé. Il n'y a pas, d'une part, il n'y a pas l'autorité de l'État. Et d'autre part, l'État ne sait pas l'autorité de l'État pour récolter les fiscs, normalement. Mais ça va faire 20 ans qu'on entend la même chanson. L'État négocie, comme on l'a fait avec les contrats chinois et tout, l'État négocie à genoux. Et de trois, malheureusement, ceux qui négocient au nom de l'État négocient pour leur propre compte. On a vu comment on a saisissonné la GECAMINE pour en faire des entreprises privées. Et les autres... Voilà, c'est ça le problème. Mais est-ce que nous pouvons repartir à zéro? On peut repartir. Je crois qu'il suffit qu'on ait un gouvernement qui est conscient de ce qu'il est, qui remette l'autorité de l'État, c'est-à-dire que chacun doit payer les fiscs, le gouvernant qui négocie mal l'intérêt de l'État, il est sanctionné, et l'État doit faire du lobbying à l'international, parce qu'aujourd'hui, nous avons tout perdu. Les mines, c'est Yuma qui le dit, Yuma, ce n'est pas n'importe qui, c'est lui qui a négocié ces mines-là, c'est lui qui représente les intérêts de l'État. Il a dit que entre les lignes, que ces mines ne nous appartiennent pas. Et c'est pour 25 ans.
Voyez-vous? Oui. Donc, je oui. crois... Mais ça, il a dit, voilà. mais il a dit, mais est-ce que vous êtes d'avis, comme certaines personnes pensent, comme certaines personnes estiment, qu'il faut rompre ce contrat-là, ou alors tout simplement les révisiter? Vous êtes d'avis avec, ou vous pensez qu'on peut se retourner à autre chose, carrément, à regarder dans l'agriculture, dans la technologie, penser à autre chose, avoir d'autres mines, par exemple, que de laisser ces contrats-là, sinon ça va entraîner la guerre, ça va entraîner l'instabilité. Que pensez-vous? Il faut se battre. Ici, c'est une bataille de mots, c'est une bataille juridique, c'est une bataille diplomatique. On peut pas laisser comme ça, c'est son mythe, c'est son droit, ça a été mal négocié, certes. C'est vrai que ceux qui ont acquis ces contrats-là ont le droit, ils vont nous poursuivre à l'international, mais on peut se battre. Mais ça sera de procès en procès. Oui, c'est des procès, mais les procès, il faut les affronter. Il faut les affronter, il faut engager des avocats sérieux, parce que ce n'est que de la duperie, tout le monde le sait. Comment un pays qui a des patrimoines, vous venez pour y investir, et ce pays-là n'a que 10%. Est-ce que c'est censé? Mais qui compte? Voilà. Mais que faites-vous de ceux qui ont contracté? Mais c'est ça, mais c'est pourquoi je dis, il faut des avocats coriaces qui peuvent démontrer que c'était un contrat léonais. Mais oui, bon sens veut que... C'est pourquoi, comme vous l'avez dit, je veux qu'on aille à la rupture, mais à la renégociation. À la renégociation. Mais tout ça, il faut tenir compte de l'environnement international. La grande bataille ici, c'est entre d'une part les Chinois et les Américains. Et donc, je crois, permettez que je le dise, je crois que c'est ça le génie de Mobutu. Comment Mobutu... vous savez que la GECAMI ne nous appartenait pas. C'était une entreprise privée. La Gécamine. Mais comment il est arrivé à arracher la Gécamine des intérêts privés pour nationaliser, à faire une entreprise de l'État? Un peu comme le Grand Hôtel, un peu comme beaucoup d'autres entreprises d'ailleurs. Voilà, donc c'est faisable. Mm. C'est question d'avoir de la personnalité sur le plan international, c'est question de peser, c'est question de savoir distribuer les intérêts aussi. Et ce n'est pas une mauvaise chose aujourd'hui que hier on a été berné par la Chine et leurs alliés Kabila et consorts. Aujourd'hui, on peut se retourner vers les Américains et renégocier les choses avec eux. On leur dit, aidez-nous à récupérer ces contrats-là et on va renégocier. C'est les affaires. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la Chine va vous laisser, par exemple, travailler, avoir vos propres centres de transformation sur place, quand on sait que c'est la Chine qui prend le gros du cuivre congolais, quand on sait que c'est la Chine qui prend le gros du cobalt? Pensez-vous que la Chine va vous laisser travailler? Non, personne ne laissera travailler, ni la Chine, ni les Américains. C'est une question d'intérêt. Et c'est ça le malheur du Congo. Nous, on pense qu'en se plaignant, un jour, les gens vont avoir pitié de nous. Or, la pitié n'existe pas dans ces affaires. Jamais. Ça dure depuis 25 ans qu'on nous exploite, qu'on nous a imposé l'insécurité pour nous exploiter. Tant que nous sommes incapables de nous défendre, ou tant que nous sommes incapables de négocier, parce que ce n'est pas seulement question de force, mais c'est aussi question d'intelligence, ça va continuer. Mais comment vous allez changer la chose, professeur? Parce que regardez Malaisie, par exemple, Malaisie ou Singapour. Ils ont compris qu'il fallait construire des centres de transformation chez eux pour avoir le droit des prix-values, pour avoir le droit de créer la richesse chez eux, de créer la monnaie, de déterminer leur force. Aujourd'hui, nous, par exemple, avec les cobalt, nous savons tous aujourd'hui que les grandes sociétés de transformation du cobalt se trouvent soit en Chine, soit aux États-Unis. Les grandes sociétés de transformation du cuivre, c'est encore en Chine ou aux États-Unis. Et ce sont ceux-là qui sont comme des multinationales qui détiennent les plus grands capitaux du monde. Et qu'aujourd'hui, si vous voulez faire un centre de transformation ici, ça veut dire que vous allez en guerre contre eux, vous ouvrez une concurrence. Est-ce que vous pensez que ces gens-là, ils ne vous mettront pas les bâtons dans les roues? Est-ce qu'ils ne vont pas attiser le feu de la violence de votre côté, financer des petites rébellions et menacer la gouvernance d'un président? Tout ça, est-ce que vous le voyez? Puisqu'ils le font déjà, c'est ce qu'ils ont fait depuis 25 ans. Vous savez le grand hôtel, l'hôtel du fleuve, l'histoire de l'hôtel du fleuve. L'hôtel du fleuve, c'est CCIZ. CCIZ, c'était l'idée du CCIZ, centre commerce international, au Zaïre. C'était la bourse. La bourse de mines, c'était ça l'idée. Un peu le Wall Street, quelque chose comme ça. Oui, c'est le Wall Street congolais. Ah, d'accord. Voilà. Donc, Mobutu dit, d'abord, la première démarche, c'est qu'il arrache la Gécamine, il relance la Miba, c'était les deux grandes entreprises, parce que l'économie congolaise, c'était ça les mines. Et il dit, mais pourquoi on doit aller vendre nos diamants à Anvers? Ceux qui veulent acheter des diamants, qui viennent au Congo. Il faut voir ses ambitions-là. Bien sûr qu'il a été piégé. Et vous savez, l'histoire de CCIZ, c'est qu'on nous a livré un immeuble clé en main.
Ils ont fait une climatisation centrale, c'est tout fermé. Et déjà à l'époque, donc ils ont piégé Mobutu, ils ont mis la climatisation, et la climatisation, on n'a pas transféré la technologie de la climatisation. Et donc la climatisation a commencé à cracher, tout le meuble était inutile. Ouais, donc ces pièges-là, il y en aura toujours. Mais au moins avoir cette ambition-là. Savoir, le problème, c'est que les Congolais, les gouverneurs congolais, quand ils vont négocier pour eux et non pour l'État congolais. Et non pour le peuple non plus. Voilà. Non, quand dit l'État, c'est le peuple. Et donc, je crois qu'il faut avoir des ambitions, comme Mobutu là, il faut avoir des ambitions comme Mouzé là. À un moment, dire, OK, vous voulez le cobalt, voilà, vous faites la première transformation du cobalt ici et le reste, vous continuez chez vous. On n'a pas la technologie pour faire le téléphone, mais au moins la transformation se passe chez nous pour qu'on donne l'emploi aux Congolais. Et là, les matières ne sortent plus de chez nous, voilà, à l'état brut, et mais plutôt... Il en est de même pour d'autres matières, semi-transformées. Au moins, ça donne de l'emploi, et voilà. Et les résultats, on négocie. Sinon, vous savez, vous pouvez rien sans rien risquer. Qui ne risque rien en rien. On peut dire, OK, si vous n'en voulez pas, nos cobalt vont rester sous le sol, ça attendra nos enfants qui vont les exploiter. Ça va créer un problème. C'est pas qu'un problème, vous dites, ils vont prendre la guerre. Mais il faut oser. Mais si nous négocions comme on le fait maintenant à genoux. Mais parce que Malaisie a déjà fait ça. Et nous avons vu les autres pays l'ont fait. Mais oui. Alors pourquoi nous ne le faisons pas? Non, parce que nous pensons d'abord à nous. Vous savez comment ça s'est passé? Aujourd'hui, je ne veux pas citer de noms ici, des gens sont devenus milliardaires dans ces pays. On ne demande pas d'où vient l'argent. Ils commencent à construire des bâtiments pour l'État. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Où est-ce qu'ils ont travaillé? Mais c'est le contrat chinois. Les gens sont distribués l'argent de l'État, ils ont négocié, on les a manipulés, ils ont fait entrer des paragraphes et on leur a donné des milliards de dollars pour leur poche. Et l'État n'a rien eu. C'est ce qui s'est passé. Et je crois que quand on a des bons avocats, quand on a des bons dirigeants, on peut remettre ces dossiers sur la table et le renégocier. C'est possible. C'est pourquoi c'est important d'avoir des carnets d'adresses, c'est pourtant avoir des relations. Quand vous avez... Mais le Rwanda, c'est quoi? Les Rwandais, ce n'est que ça. Les Rwandais n'est pas aussi puissant que ça. Mais les Rwandais est fort dans la diplomatie, est fort dans les négociations. Et il a eu des alliés puissants. Et ses alliés le soutiennent. Alors, quel est le bon schéma pour vous, professeur? Est-ce que le schéma, il y a trois éléments. Et vous me dites le vôtre. Est-ce que c'est nous construisons une intelligence congolaise, une personnalité congolaise, une dignité, une fierté congolaise, d'abord au niveau de l'intérieur? Nous réussissons le problème interne avant de parler de l'extérieur, ou nous demandons à la Chine, on dit bon, la Chine, vous avez peut-être mal négocié avec Kabila, nous voulons renégocier avec vous pour construire notre pays, ou vous dites non, la Chine, vous n'êtes pas bon, nous allons aller avec l'Amérique ou la Russie, aidez-nous à nous développer, ou vous dites c'est nous à l'intérieur, nous travaillons d'abord à l'intérieur, nous construisons à l'intérieur et puis nous allons ailleurs. Selon vous, c'est quoi, ou c'est la fusion de tous ces éléments-là pour trouver les meilleurs? Il faut aller sur tout le front. Vous savez, les Américains, par exemple, lorsque les Américains négocient avec le monde ou avec l'Afrique particulièrement, il n'y a pas de carte préétablie. Non, c'est des possibilités. Vous avez vu, à l'issue des élections de 2018, l'Amérique, au départ, a contesté les élections. Mais lorsque Tshisekedi s'est installé, ils ont adopté Tshisekedi. Donc, il n'y a pas de schéma figé. On fait tout par rapport à la dynamique. Donc, nous pouvons dire, avec la Chine, on renégocie les contrats. Sous-entendu, si vous n'êtes pas d'accord, on va voir ailleurs. Et ils ont intérêt à renégocier. On va dire en même temps aux Américains, aidez-nous à renégocier les contrats. Si on récupère les contrats, les mines de chez les Chinois, on va vous donner. Là où ça marche, on y va. Mais pourvu que ça commence. Est-ce qu'on n'a pas peur? Est-ce que l'homme congolais n'a-t-il pas peur d'affronter l'Amérique, par exemple? Est-ce que nous n'avons pas peur d'affronter la Chine? On se dit, mais la Chine est devenue une grande puissance aujourd'hui. Mais ce sont des partenaires. Mais ça a marché dans ces pays. Mobutu l'a fait. Ben, il n'était pas fort. Chine n'était pas encore forte comme ça. Mais si. Mais Mobutu a travaillé. Et avec. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a su jongler. Et c'est ça le mot. Jongler en même temps avec les Américains. Et jongler avec les Chinois. En même temps. Et pendant longtemps. Et ça a marché. Voyez-vous? Et c'est ça la diplomatie. Et parce que le Congo finalement est grand. Donc vous n'allez pas donner ce grand pays à un seul pays pour rien. À ses partenaires. Oui. Non. Et c'est ça. Et il disait, nous sommes ni à gauche ni à droite. En pleine guerre froide. Tu peux t'imaginer. En pleine guerre froide où il fallait être à gauche ou à droite. C'était comme ça. Alors il développe des concepts comme ça pour les préparer. Dit non, nous, on n'est ni à gauche ni à droite.
Même si les gens, ça me dit, mais on est où? Mais effectivement, il veut dire qu'on n'est pas avec les capitalistes, on n'est pas avec les communistes. Même si en réalité, on est avec tous à la fois. C'est que ça a marché pour lui. Donc, c'est possible que ça marche encore. Est-ce qu'il faut traiter maintenant avec, avec les, je veux dire, les individus de ces pays-là, ou il faut traiter avec ces pays-là? Comme ça, parce qu'on reproche à Kabila d'avoir négocié avec des Chinois et pas l'État chinois. La preuve, et certaines personnes accusent en disant que le Premier ministre chinois pouvait venir partout en Afrique, sauf en RDC, alors que le contrat, c'était que c'est en RDC qu'il y avait beaucoup plus de Chinois que partout à travers l'Afrique. Est-ce que c'est une question de négociation, c'est des termes de négociation? Non. La négociation avec le gouvernement crée les cadres, simplement. Mm. Aujourd'hui, ni les États-Unis, ni la Chine, qui est devenue aussi capitaliste que les États-Unis, ce n'est pas l'État. Ce sont les entreprises privées. C'est pourquoi quand vous voyez, quand Macron vient par exemple d'Afrique, il traîne avec toutes les entreprises, ils peuvent négocier les contrats, ça se fait à des niveaux. Donc, l'État donne le cadre, on signe avec le gouvernement, mais les entreprises négocient. Et c'est là où nous avons déploré les statuts de Yuma. Mm. Yuma qui représentait en même temps l'État et les intérêts privés des entreprises en tant que FEC et en tant que président de la Commission d'administration. Mais c'était compliqué à un moment. Non, voilà. Donc, c'était un fourre-tout. Mm. Mais je crois que les politiques doivent négocier avec les politiques. Et ça, c'est ça pourquoi je disais que les carnets d'adresse, la diplomatie, les relations, c'est à ce moment-là que les amitiés jouent. Et dès que le chemin est balisé par les politiques, les entrepreneurs arrivent et négocient. Et malheureusement, les grands problèmes que nous avons eu, c'est quoi? Contrairement à Mobutu, Mobutu, lorsqu'il négocie la Gécamine, ce n'était pas pour lui. Lorsqu'il négocie la MIBA, ce n'était pas pour lui. Il prend l'union minière du Haut-Katanga, il la rachète de Belge et il le donne à l'État zaïrois. Voilà. Alors aujourd'hui, les gouvernants du régime passé, ils prennent ce qui est à l'État zaïrois, la Gécamine, ils soupçonnent ça, ils en font leur entreprise privée avec les partenaires étrangers, les privés notamment. Dans toutes ces entreprises-là, ils ont des actions. Ils ont des actions. Tout ça, c'est ça. Quand tu ne sécrètes pas de déboulonnage, ils devraient commencer par là aussi. Voir ces entreprises-là qui sont là-dedans. On brandit, comment ça s'appelle, Gettler. Voilà. Dans Gettler, on sait que derrière lui, c'est des Congolais aussi. Voilà. Il y a des Congolais. Pour ne pas se dire, il y a Kabila là-dedans, il y a Yuma là-dedans, il y a Katumbi là-dedans, il y a Katumbi qui est mort, ils sont là-dedans. C'est eux qui ont sous-soutenu la Gécamine. Et là, il faut que l'État congolais s'arrête et demande compte aux gens. Comment ça, Katumbi est dedans? Non, mais ça, il était gouverneur, le gouverneur n'a pas de pouvoir sur les mines. Non, Katumbi est d'abord homme d'affaires, avant d'être gouverneur. Oui, mais... Et il avait double casquette, et ça, c'était... Mais est-ce que tu sais que... Tu sais qu'on a mis... La SNCZ, Stanley qui a créé ce pays, c'est Stanley qui a dessiné ce pays. Mm. Et en le dessinant, connaissant ce pays mieux que nous, il a dit, ce pays-là, sans le chemin de fer, ça ne vaut pas un penny. Mm. Et vous venez, exploitant les mines, vous mettez une croix sur les chemins de fer, vous refusez d'acheter les wagons, d'entretenir les trains, vous tuez la SNCZ qui alimentait la région, les régions. Quand la SNCZ transportait le cuivre, les villageois mettaient leurs chèvres au-dessus pour aller vendre. Ils mettaient leurs sacs de manioc dessus pour aller vendre. Et tout le monde se retrouvait. Et vous tuez ça, vous achetez des tracts. Vous achetez vos tracts privés pour transporter les minerais de vos partenaires. Non. Non. Et ça, c'est la responsabilité de Katumbi. Il n'y a pas mieux que lui. Mais ces défenseurs, je veux dire, ces gens ont dit que le gouverneur n'a rien à voir. C'était un homme d'affaires, comme tout homme d'affaires. Mais l'homme d'affaires, attends, le gouverneur, tu dois entretenir l'entreprise de l'État, la SNCD, qui est une entreprise sociale en plus. C'est pas seulement une entreprise commerciale, c'est une entreprise sociale. Autant que la GECAMI, c'était une entreprise sociale. Oui. La GECAMI, c'était un pays dans un pays. Ça donnait du travail, ça entretenait les gens, ça donnait à manger les élèves et tout mais ça. Quelle était sa responsabilité? Non, mais quand il ne pousse pas l'État qu'il représente, quand il ne pousse pas les privés à entretenir le chemin de fer, qu'il achète ses camions, il en a plus de 1000 pour transporter les minéraux, vous dites qu'il n'est pas responsable?
Il n'est pas responsable. Non, l'argent va où? Il s'enrichit, lui. Mais les Congolais, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est ça le problème. Donc, à un moment, moi, je m'en fous de débat congolais, ce n'est pas ça mon problème. Mon problème, c'est que les gens ont géré, ils doivent rendre compte. Ils doivent rendre compte. Est-ce que vous pensez que si on et quand on parle de déboulonnage, il faut pas seulement le. Écoutez-moi, quand on parle de c'est pas seulement le palais du peuple. Le déboulonnage, c'est ça aussi. Okay. C'est ça aussi. Alors, que les gens rendent compte. Mais l'enrichissement illicite dans ce pays, l'enrichissement sans cause. On ne pose, les gens sortent du jour au lendemain, des gens qu'on a connus comme activistes des droits de l'homme, ils deviennent milliardaires parce qu'ils ont travaillé dans le ministère. Des gens qui sont sortis nulle part, ils deviennent milliardaires. Oui. Mais pourquoi le procureur général ne peut pas demander compte aux gens? Monsieur, d'où vous venez l'argent? Qu'est-ce que vous avez vendu? On ne vous a pas connu quand vous vendez des cacahuètes. D'où vous venez de l'argent? On ne peut pas prendre cette question. Alors, c'est un peu ceux qui étaient pêcheurs deviennent des milliardaires, ceux qui étaient maçons deviennent des. Ce qui me désole dans ce pays, c'est que. Vous savez, à l'époque, on a connu des riches qui n'avaient rien à voir avec le gouvernement, qui étaient des privés. Comme Dokolo, par exemple. Les Dokolo, les Lusakivana, il y en avait beaucoup. Même Bemba, à l'époque, l'argent, il n'était pas encore au pouvoir. Oui. C'était un partenaire de l'État. Mais aujourd'hui, mais comptez sur les doigts, les riches dans ce pays, ce sont des gens qui travaillent chez l'État ou qui ont travaillé chez l'État. C'est l'argent de l'État. Bon, alors, mais on parle de l'EDIA aussi. Ouais. L'EDIA, à peu près, encore, quand vous grattez derrière, il y a des partenaires. Dont ces gens que je cite. Mais, bon, l'EDIA, on peut lui jeter des fleurs. Mais à part l'EDIA, les riches dans ces pays, c'est qui? C'est des ministres, des anciens ministres, mais comment, des gouverneurs. Comment sommes-nous arrivés là, professeur? L'autorité de l'État. D'accord. Alors, mais quand vous dites qu'il faut déboulonner, par exemple, parce que là, vous avez cité Katumbi, mais Yuma, enfin, Yuma, la responsabilité, elle est claire. Mais jusqu'à aujourd'hui, Kabila, on n'a pas de traces toujours. On se dit, mais il n'y a toujours pas de traces, de traces tangibles sur son enrichissement. On lui attribue, certaines personnes, on lui attribuerait des choses qu'il n'a pas. C'est pourquoi j'ai dit au président Tshisekedi, après le déboulonnage politique, il faut le déboulonnage économique. L'erreur que nous avons commise à l'indépendance, c'est qu'on a réclamé l'indépendance politique, on ne s'est pas intéressé à l'indépendance économique. Vous savez, l'histoire, c'est quoi? C'est que lorsque les politiciens vont à Bruxelles, à la table, ils négocient la politique, ils rentrent à Congo pour la campagne électorale. Et Mobutu, qui était dans le sujet de Lumumba, qui était son secrétaire, Mumba lui dit, ok, moi je rentre au pied pour la campagne, toi tu restes suivre, il y avait les débats économiques, la deuxième négociation, table ronde économique. Mumba, toi participer à la table économique. Et c'est là où il se rend compte que, donc les Belges avaient pris tout. C'est ça sa révolte. Et quand il rentre au pays, quand il arrive au pouvoir, sa priorité c'est régler cette question-là. Mais malheureusement, il va mal régler la question. Oui, bien sûr, mais au moins il a osé. Oui. Au moins il a osé. Est-ce que la zélénisation était une belle affaire chose? Cette affaire de contentieux des deux Congolais, oui. Qui est resté en fait, c'est juste politique. C'était ça le fond de la question. La zaïralisation était une belle pensée, mais une mauvaise pratique, ou une mauvaise pratique, mais une bonne pratique, mais une mauvaise pensée. C'était une bonne initiative qui a été mal pensée, mais qui a été mal exécutée. Mobutu, en fait, Mobutu était en avance par rapport à nous. Vous savez, aujourd'hui, la question qu'on pose avec les Libanais, les Indiens, c'est le même discours. Que l'économie à l'époque, c'était entre les mains des Grecs, de Portugais et tout ça. Et il a dit non, ça doit s'arrêter. Malheureusement, là où il s'est fait piéger, c'est encore une fois le clientélisme. Il a donné les entreprises à ses amis. Au lieu de les donner aux entrepreneurs, des gens qui n'ont jamais vendu quoi que ce soit, il se retrouve à tête d'une grande entreprise, il vide les stocks, il ne sait pas où aller s'approvisionner. C'est ça le problème. Mais comment faire pour arrêter ça, le cas de Moïse, le cas des autres ministres qui sont devenus riches ou tout ça, comment on fait pour arrêter ça maintenant, par exemple, les cas sous leur tradition? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais qu'est-ce que le pouvoir en place peut faire pour régler ces différences? Qu'est-ce qu'il peut régler ces contrats? Qui sont là-dedans? Les entreprises, là, qui sont les actionnaires? Voilà, qui sont les actionnaires? Mais si tu as été ministre, tu as été président de la République, tu as été gouverneur en fonction, et tu te retrouves dans une entreprise de mines qui vient de saucissonnement de Gécamé comme partenaire, il y a de quoi te poser des questions. Alors que quand vous avez négocié, l'État a tout perdu. Est-ce que ça ne va pas troubler la quiétude sociale? Mais est-ce que c'est normal? Il faut avoir peur de gens pour ne pas... Non, mais c'est le prix à payer pour le développement. Oui. Parfois, il faut casser et puis recommencer à zéro. Mais oui, je crois qu'il faut aller vers ça. Alors, on va terminer, mais pour terminer, il y a une question, puisque vous avez parlé du Rwanda. J'ai toujours envie de vous poser la question de savoir, selon vous, quelle est la différence fondamentale entre l'homme rwandais et l'homme congolais? Le système politique rwandais et le système politique congolais. Et donc, en parlant de l'homme rwandais, je parle du leadership rwandais. C'est quoi la différence entre nous?
C'est que... Les gens ont dit un petit pays et nous un grand pays. Mais quelle est la différence exactement? Oui, vous avez raison de poser la question par rapport à l'homme. Le problème, c'est que les années ont fait un effort. Vous savez, les Rwandais ont beaucoup souffert depuis la colonisation et jusqu'au début de l'indépendance. Aussitôt l'indépendance a commencé, c'était des guerres et tout. Ils ont beaucoup souffert et ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience. J'espère que la souffrance que les Congolais sont en train d'endurer aujourd'hui depuis pratiquement un quart de siècle, ça va remonter la prise de conscience pour créer un sentiment national. Ce qui est bon chez les Rwandais, c'est qu'il faut se le reconnaître, c'est qu'ils ont eu un sentiment national, surtout les Tutsis particulièrement, qui ont pris conscience qu'ils sont minoritaires et s'ils ne travaillent pas pour l'intérêt de la nation, ils vont disparaître. Et ils se sont mis à travailler. Vous savez, dans ces pays-là, à un moment, quand ils étaient en exil, les gens ont donné leurs enfants. Un parent donne son garçon pour aller faire la guerre, pour aller faire l'armée. Un parent donne sa fille pour aller se prostituer et ramener les informations. Ça, nous sommes incapables de le faire, en tout cas pour l'instant. Donc, ils sont chaque jour en train de réfléchir nation, de réfléchir communauté. Nous, on en est encore en train de réfléchir d'abord. Leader politique. Non, on réfléchit d'abord moi, oui. Et à la limite, tribu. Voyez-vous? À la limite, leader, voilà, tout ça, on est communautaire et tout ça. On en est encore là. C'est ce qui est dommage. Alors, mais vous avez suivi les discours de Kagame. Comment vous l'avez trouvé? D'autres personnes ont estimé que Kagame s'est dédié. Ah ben, alors, plusieurs fois, sur Dr. Mukwege, il commence par reconnaître les faits de Dr. Mukwege par rapport au massacre. Finalement, il dit qu'il y a eu deux massacres. Il accepte qu'il y a eu des massacres au Congo et là-bas. Est-ce que ce n'est pas pour nous un point à gagner en disant on va appuyer là? Du moins, déjà, lui-même a déjà dit qu'il y a eu, il reconnaît qu'il y a eu massacre. Donc, la théorie de double génocide est bien évidemment exacte. On peut le continuer. Mais puis après, c'est la France qui arrive. D'autres personnes estiment que c'est l'ange de la mort qui vient finalement, comme ça a été le cas avec la visite de Sarkozy en Libye, la visite de Sarkozy en Côte d'Ivoire, la visite de Sarkozy et en Centrafrique, pardon, de la France en Centrafrique, un peu bien de choses. Est-ce que vous pensez que c'est la fin de Kagame? La fin de Kagame, oui. Moi, je n'y crois pas. Mais Kagame a frappé un grand coup. Moi, je vous ai dit, c'est que je ne l'apprécie pas beaucoup, mais je le respecte. Malheureusement pour nous. Vous savez, quand même en famille, hein, quand vous êtes aîné et cadet, il y a toujours cette concurrence entre soi au niveau des examens, les résultats des examens, tout ça. Il y a cette rivalité fraternelle qui existe. Et on est voisins. Donc, les intérêts du Rwanda ne sont pas les intérêts du Congo. Ça va nuire aux intérêts du Congo. Les intérêts du Congo vont nuire aux intérêts du Rwanda, forcément. Mais là, les dernières actualités nous montrent que Kagame nous a damé des pions. En quoi exactement? Parce que là, c'est ce que je ne vous comprends pas. En quoi? Premièrement, le show de Paris. Ça, je ne reviens pas plus sur ça. Et ça crée des tollés au Congo. On dit non, mais tout ça. Et puis, le président a géré ça. Il dit ok, j'ai mes canaux pour pouvoir gérer ça. On espère qu'il l'a fait. Et puis, Kagame fait un pas en arrière pour dire dans Jeune Afrique, quand même, il y a eu massacre de part et d'autre, une nuance, c'est de part et d'autre, et voilà, on est content. Mais moi, je dis que ça, c'était stratégique pour Kagame, parce que Kagame savait que... nous, on ne le savait pas, mais il savait qu'il avait sa carte joker à jouer. Il savait que Macron viendrait à Kigali. Et pouvez-vous imaginer, dans notre relation avec la France, je crois que quelque part, il faut que le Congo éclaircisse sa relation avec la France. Mais la France ne fait que marcher sur le dos du Congo. D'abord, je remonte l'histoire. Madame Mshikiwa, c'est comme ça qu'elle s'appelle, la secrétaire générale de la francophonie. Vous imaginez le Rwanda qui a tourné le dos à la francophonie en adoptant l'anglais comme langue nationale et tout se met en place pour que ce soit une Rwandaise qui soit la secrétaire générale de la francophonie. Tout en sachant sur le fond que, à côté, quand le Rwanda s'est tout dans le dos à la francophonie, il y a à côté le plus grand pays francophone du monde, c'est le Congo. Mais cette démarche-là, on dit, bon, c'est la francophonie, c'est pas le problème. Mais quand c'est fait comme ça, c'est quand même, ça nuit aux intérêts du Congo sur le plan international. Oui, mais là, c'était avant où les relations n'étaient pas très bonnes, où le pays était cloîtré, tout ça. Non, le pays, quel pays? La RDC. Avec qui? Avec la France.
Non, non, là, on était diplomatiquement très faible. Non. Et vous le savez, il n'y avait aucune politique. C'était à l'époque de Kabila avec Madame. Non, mais quand même, ça, les gens ont décrié. Mais quand la France connaît la relation entre le Rwanda et le Congo. Moi, je connais la relation entre vous et votre voisin. Oui, mais c'est pas la France de quand... C'est pas la France de se soucier de votre respect. Non. C'est pas eux. Vous faites des efforts qui vous respectent. Battez-vous. Je remonte à ça. Oui. Non, je remonte à ça pour dire combien la France n'est pas tendre avec le Congo. Après avoir fait ça aux Congolais, parce que ça. On choisirait quelqu'un d'autre. Ça fait. C'est que la relation entre le Rwanda et le Congo a une histoire. Et prendre cette diplomate qui n'appartient pas à un pays francophone, pour pas être secrétaire, je ne sais pas pour quel intérêt, mais ils doivent savoir que ça nous gêne, c'est gênant diplomatiquement pour les Congolais. De deux, le président congolais était à Paris dans le cadre de ce sommet-là. Et le lendemain, pendant ce sommet, Kagame sort de cette boutade pour dire qu'il n'y a pas, il massacre au Congo. Et dans ce contexte-là, le surlendemain, Macron est à Kigali. C'était l'agenda bien arrosé, monsieur. Oui, mais c'était ce que je dis. C'était arrosé depuis longtemps. Moi, je vous dis oui. Que Kagame nous a damé les pions, diplomatiquement. Oui, mais puis le président Félix... Mais dans tout ça, nous, on est où? On est où dans le, tout ça? Mais le président Félix est allé là-bas à Paris, pas comme président de la RDC, mais comme président de l'Union africaine. Rien à voir avec la RDC. Non, et les autres sont allés pour comment? Oui, mais... Il est allé pour double casquette. Oui, mais d'abord... Non, double casquette. Oui, mais sinon, Kagame, sinon, Macron serait parti dans tous les autres pays. Non. Il est parti au Rwanda parce qu'il avait été invité au Rwanda. C'est tout à fait normal. Non. Mais vous ne pouvez pas isoler ça. C'est systémique. Vous ne pouvez pas isoler ces discours-là. Vous ne pouvez pas isoler ces voyages-là. Voyez-vous? Je ne vois pas le lien. Si, ça a un lien direct. Okay. Et le troisième lien, c'est ce que vous évoquez. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi Macron fait cette démarche-là? Cette embrassade avec Bichikouabo, très, très sentimentale. C'est quoi? Qu'est-ce qui est caché derrière? Ou alors, comme vous le dites, il ne faudrait pas qu'on puisse se réveiller demain. Après tout, le Congo aujourd'hui... Le problème, ce n'est pas le Rwanda. Quand les gens vont au Rwanda, ce n'est pas le Rwanda. C'est le Congo. Il ne faut pas se leurrer. Quand le monde entier va au Rwanda, ce n'est pas pour le Rwanda. À moins qu'on aille visiter le mémorial. Mais quand ils vont... Ce n'est pas pour le Rwanda, c'est pour des raisons économiques. Le Rwanda, aujourd'hui, c'est la sortie des minéraux du Congo. Et les gens disent, bon, le Congo, c'est un fourre-tout, c'est la guerre et tout ça. C'est pas sûr, parce que pendant ce temps, le Rwanda tient un discours à l'international. Vous avez besoin des minéraux, vous n'avez pas besoin d'aller là-bas, venez ici. Oui, et les firmes internationales viennent installer leurs représentations. Ils viennent installer leurs banques, ils viennent installer aujourd'hui même leurs usines. Alors, mais justement, pour ça qu'on doit travailler. C'est pourquoi je dis, on n'a pas ces plaintes, mais au moins, on doit constater les choses. On doit constater les choses. Et je crois, sur le plan diplomatique, ce n'est pas déplacé de dire à la France que votre démarche, ça ne nous agrée pas. Diplomatiquement, poliment, on doit leur dire. Mais ce n'est pas à vous de dire à la France d'aller où et où vous voulez. Non. Parce que le conflit que vous avez avec le Rwanda, parce que pour nous, le Rwanda, comme Valérie le disait, le pays n'a pas d'amis, c'est des intérêts. Si la France se retrouve dans ses intérêts avec le Rwanda, ben, il a qu'à faire de vous. Non, mais non, il ne faut pas dire qu'à faire de vous, parce qu'il ne faut pas que ça pousse nous nuire. Parce que ça ne pousse pas travailler à l'intérieur, justement, au lieu que vous êtes oui. Mais travailler, ça veut dire travailler aussi diplomatiquement, c'est-à-dire dire à la France, exactement. Dire à la France que nous ne sommes pas, votre démarche ne nous arrange pas. Mm. Ça ne nous arrange pas. Très bien. Vous savez que nous sommes en relation pas très, très commode avec le Rwanda. Nous avons que, vous savez que nous avons des contentieux avec le Rwanda. Mais quand vous les faites, quand vous nommez une Rwandaise secrétaire générale de la francophonie, et vous savez quoi? Les ridicules, c'est quoi? Les prochains sommets, c'est où? Ça qui c'est ça? Et vous voyez les ridicules? Oui, mais l'autre, il faut faire. Vous voyez les ridicules? Pour l'instant, et celle qui va trôner à qui c'est ça, c'est Bichikiwabo. Mais c'est gênant. Oui, mais vous savez qu'entre nous, les relations ne sont pas aussi tendres que. Oui, mais le mandat, c'est une évidence. C'est une affaire qui a fonctionné depuis longtemps. Il faut attendre le mandat de Bichikiwabo. Mais avant que ça ne commence, avant que ça ne commence, vous savez, un secrétaire général, ça ne tombe pas comme ça. Hein. C'est des négociations. Vous avez vu comment Tshisekedi a remis la candidature du Congo pour le secrétariat permanent. Ça ne tombe pas comme ça. C'est des négociations. Ça prend même des années. Oui, mais alors... Voyez-vous. Mais là, vous n'allez pas faire comme vous. Je suis pas beau. Non, non. C'est oui. C'est oui. Mais l'autre aspect, c'est que est-ce qu'il n'y a pas un agenda?
d'adhérer. Parce que le Congo, c'est quand même le centre d'intérêt économique de l'industrie de demain. Et la France, en tant que grande puissance, ne peut pas toujours être à marge. Bien que la France n'ait pas de grandes industries de fabrication dans le numérique, mais au moins, l'industrie de demain, c'est le numérique. Et la France, en tant que grande puissance, ne peut pas être loin de ça. Est-ce qu'en allant à Kigali, est-ce que c'est encore d'autres ennemis du Congo qui vont toujours à Kigali pour que la guerre continue au Congo, pour l'exploitation des mines du Congo continue? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Alors, merci beaucoup, monsieur le professeur. On va terminer. On a terminé cet entretien de ce jour. On a parlé de bien d'autres sujets. Est-ce que ça vous a arrangé qu'il parle de Mukwege? On termine par là. Tout ça, c'est diplomatique. C'est diplomatique. C'est diplomatique, quand même, il savait ce qu'il dit. D'abord, en égratignant les Congolais, en égratignant Mukwege à Paris, il ne disait pas comme ça, il disait dans un contexte, il savait ce qu'il allait faire, il savait qu'après, il va frapper un grand coup, et il nous embête, et puis, et quand, vous savez, parfois, diplomatiquement, on nous prend pour des danseurs, on nous prend pour des gens naïfs, et voilà, et on joue sur ça. Alors, comment, selon vous, on arrange les choses maintenant? Pour la, par exemple, notre respectabilité en ce qui concerne la francophonie, on fait quoi exactement? Est-ce que l'on plaide pour que Mme Ushikiobo ne vienne pas ici? Est-ce que l'on plaide pour que le prochain sommet, disons, que le prochain secrétaire général soit congolais ou congolaise? Par exemple, vous savez tout ce qu'on donne, tous les faveurs qu'on donne au Rwanda aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on veut réparer un mal qui a été fait. Oui. Et maintenant qu'on nous fait du mal, il faut qu'on répare ça aussi. Alors, c'est à nous de parler de notre, de mal, de notre savez, mal. Vous savez, cette francophonie-là, le dernier, cette francophonie, quand Mobutu débarquait, il était au devant. Et tous les autres présidents étaient il était à côté de Mitterrand, il était à côté de Giscard, il était à côté de tous ces grands présidents français. Et les autres étaient derrière. Et le dernier sommet de la BOL, où pour une fois Mobutu n'était pas là, il est arrivé, on a cherché à le placer là derrière parce que les relations ne marchaient plus. C'est indicateur. Donc, aujourd'hui, quand on parle francophonie, quand on sait que le sommet, c'est le Congo, quand on sait que c'est le Congo, tout ça, le Congo n'a pas droit au chapitre, c'est que quelque part, ça ne marche pas. Très bien. Mesdames, Mesdames et Messieurs, merci. Ça a été un grand honneur pour moi de présenter cette émission. J'aurai le même plaisir de vous retrouver très prochainement. Comme on l'a toujours dit, que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Hello, l'opinion de la vidéo qu'on y a. Bon, il y a un cas de l'opinion aux États-Unis. On est comme un bon abonné pour la genèse. Mon États-Unis, tata yoki kole la nabino, atinde libino, maman Samira, ndenge aux alakan États-Unis, au kole le kola moutoisa na mombele, le kola moutoisa na ngaba. Merci mon bouche. Wow! Et c'est mon bouche? Bana États-Unis, kole abio, et komi lolenge nabino. Bona kozwa, mbisi ya koka uka, tope mafute mbila. Che mama Samira. Ata ozali na posa, yambinzo, ndakala, mayebo, safu, ezali, pebitoyo. Che mama Samira, manso mazali, eloko moko te yo koluko komonate. Nandenga va bete, bona kozwa biloko a detail. Yoka numero, numero 938, avenue Maurice, na New York. Adresse. Il y a entrepôt 12 40 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka misia kokauka mongusu mafuta mbila et kokoma lokola bazoka na yo. Yeyo kombone mama Samira makiambae. Oyokite, o taliba en faute, o moni ba maquette, o moni signature yaba contrat toté. Seul partenaire immobilier sûr, objectif habitat Asbel, maman Monseka, Kotoyo et Komiko Sila. Et panabiso, nungu nungu ezalate. To bandana la il, to komina la 7. Maman Monseka, partenaire ya sûr. Kotoyo et Komiko Sila oh. Afin que Batounion soit à la servie, Mbaloyo, Platinum,
Gold, silver. Platinum, $6,000. Gold, $4,500. Silver, $3,500. 20 sur 20, Namaluku, Namakadam, nouvelle zone économique, Pene Pene. 400 mètres carrés, payable en 12 tranches. Onama IP Sécurité, to rassura. Maman Lor, maman y a opportunité à Koma Nagombe, avenue Lukusa numéro 5, rond-point Forestcom. Objectif Habitat, votre objectif. Debout congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tuez aux hommes, ces hommes et noirs, Taïmata, Chino, Tuenele, Nakinia, Panapiko. Loye Mbolo Nende Yali Sanga.